Est-ce au final tout le monde qui était là avant yo déjà? Mais qui ça nous a fait? Ok? Monde qui était là depuis hier yo, y a consulté toujours parce que nous te promettions à prendre yo le poignard. Y a consulté yo. Nous faisons tout effort, nous avons 4 docteurs en dedans. Ok, c'est humain, nous Jean-Luc a fait là, nous avons 6 personnes là, nous avons 4 docteurs. Nous pas à l'hôpital, nous pas à la clinique, nous sommes mobile clinique. Oui. Ça nous a fait, c'est de nous faire la capacité, nous pas chita. Ok, nous voulons mettre notre tête, nous avons fait un excellent job. Oui. Même si nous pas well, nous pas well, mais nous faisons. Donc, nous n'avons pas enregistré qui en dedans yo. Il a pris le, il a entré là, il a enregistré, il a pris un papier, il a pris tout le chita en dedans. Parce que il y a il y a un ordre alphabétique, quand il est entré, l'arrivée sur lui est prêté. Ok, ça veut dire que son clinique lié. Pour les tonnes. Il y a plein. Il y a toujours plein. Merci un peu. Les gars, ils ont donné là. Bonjour, vous connaissez? Non? Ok, ma foi quand elle est là. Gigi. Your turn. Ma foi quand elle est là, je suis ma foi couvrir les yeux. Sous la pointe de son lettre. Sous Carwell, vous dit oui. Sous pas Carwell, vous dit non. Ok? Sous elle clair. Sous pas elle clair, vous dit non. Couvrir les yeux gauche ou comme ça? Gauche. L'autre là. Ok. Well. Ou Carwell clair? Ok, next. Où est ça clair? Non. Ok. Ok, bien campé sous ça. Bon, moi qui est dans le qui non. Ça, ok, merci. 41. Mais. Bon, campé sous mien. Léo et l'eau, qu'a vini. Vous pouvez en parler déjà? Vini, bien campé sous ça. Vous connaissez? Oui. Gigi? O. Next. C. Next. F. Next. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué te pasa? Mira, yo me dejo una infección que se me ha ocurrido. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No, no, ni ya. Yo voy a escribir. Ok. ¿Esa infección puede ser algo que no, que después no tenga los resultados? No tenga manera de cómo manejarte. Te voy a indicar
unas pastillas que vas a conseguir aquí, pero te voy a indicar algo que aquí no lo tenemos. Y lo vamos, y hay unas pastillas que van a usar tú y tu pareja. De acuerdo. Esta dos veces al día, por 7 días, mira. Y esta tres veces al día, por 5 días. De acuerdo. Ok, esta tú la vas a sostener y vas a esperar ahí afuera porque te la van a dar aquí. Malheureusement, gagne la deux que t'as gagné, ça va aller. Si pour Floaxin, ça va aller dans la pharmacie pour quoi. Au cas où même les petits papiers, ça, je suppose, je l'ai. On a besoin pour une par jour pour 10 jours. Comme quand dit, pour acheter un total de 10 pills, une par jour. Nous gagnons des vitamines que nous mettons pour. On prend un grain par jour. Un grain. Un seul grain par jour. So, Sanchia, qui problème vous avez pour lui? On prend ça 2 fois par jour pour 4 temps. On prend ça une fois par jour et on prend ça une fois par jour. Ok? Nous-mêmes qui là, nous c'est les gens qui sont responsables de la Fondation Yes to Ministry en République Dominicaine. Moi-même, nom c'est M. Pierre Crisfer, Founa Maribet, Rony Dorsemi. Nous venons là, nous venons faire un travail spécial avec les gens là pour nous capables de faire des soins médicaux. Ça n'a pas gagné une nécessité pour nous capables d'aider. Alors ce travail ça a fait en République Dominicaine avec un groupe missionnaire qui sortit dans le pays étranger. Nous sommes contents pour ça, même les gens là, ils ont participé avec nous. Et nous connaissons avec grâce de Dieu, nous avons privé vers l'avant. Que bon Dieu bénisse. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Aloy Pasifena, secrétaire Yes to Ministry. Et nous venons Saint-Domingue là pour nous servir, pour nous aider et pour nous venir faire travail, bon Dieu. Hey everyone, my name is Mark Paulinice. I'm here as a volunteering member to the Dominican Republic and I'm here to serve these great people of God, to minister to them, you know, to those that are in need as well. And I'm very excited to be here to serve, you know, my native people as well in this community. Yes to Ministry is a foundation that stands for helping people. Right now, we are in the Dominican Republic, helping our fellow brothers and sisters that are in need. We have been distributing clothes, we have been giving health care with doctors and also been taking their temperatures and giving their weight as well. It is a blessing for us to be here at this present moment helping these brothers and sisters as well. Salut, non moi c'est Noël Célius, vice-président en Fondation Yes to Ministry. Nous venons aujourd'hui en République Dominicaine, dans Bataillon. Nous venons aider les gens dans la clinique mobile, nous faisons des dons avec les enfants démunis, les femmes enceintes, les petits gens qui ont nécessité de soins. Et nous, là, nous travaillons, nous demandons que tout le monde qui voit la vidéo ça, est capable d'accompagner nous. Pour nous pousser ce travail ça plus loin. C'est pour ça que le ministère travaille tout côté, dans New York et en Haïti, ainsi qu'en République Dominicaine. Alors nous, tout côté, nous avons passé pour nous essayer de grandir et puis pour la Fondation capable d'avancer. Merci. Non, pas M. Wesley Desalans, mais représenter la Fondation Haïti en termes de consultant dans les 10 départements géographiques du pays en Haïti. Et nous comptons de ce que je dis à nous en République Dominicaine. Pour nous capables de faire une mobile ça pour nous aider. Parce qu'il y a plus de monde qui a souffert, il y a plus de monde qui est malade, mais peut-être qu'on va capable à l'hôpital pour nous capables de faire des médicaments, mais il y a ce ministre qui est venu en aide pour nous aider. Merci. Hi, my name is Naomi Eliana and I'm currently a senior at Georgia Tech. I'm here on the short mission trip to Santiago, Dominican Republic, and I've spent the past 2 days doing a little volunteering, working in triage, having the opportunity to provide the community out here, the Haitian community out here, with medicine and antibiotics and anything that they need to progress them and have them living a better life out here. I chose to come on this trip just because I enjoy doing community service and I love giving back to the community as a whole. As a Haitian descendant myself, I really felt closely related to this project and I just am happy for the opportunity.